Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tranquille. On va rigoler, ouais, on va rigoler. Aujourd'hui, on va rigoler. Niveau programme, il y aura encore des programmes. Ne t'inquiète pas, il y aura des programmes. C'est juste que voilà, j'ai fait 9 programmes. Là, j'ai envie de faire une petite pause. Je vais te faire des vidéos où je parle tranquillement. Ça m'a manqué, ok? Mais t'inquiète, il y aura des programmes. Là, je regarde juste un peu ce que ça donne. Les retours et tout, les commentaires, l'engagement, l'audience. Voilà, je regarde les stats, d'accord? Et si c'est bien, on va repartir encore dans une dizaine de programmes pour faire les choses bien. De base, je devais en faire 15, j'en ai fait 9, mais on va en faire. Les jambes, on va les faire aussi, t'inquiète pas, c'est juste que voilà, j'ai eu des douleurs aux genoux qui sont venues d'un coup. Et j'étais en plein programme jambes et je pouvais pas continuer, donc voilà. J'étais sur la fin en plus, mais je me suis fait non. J'attends tranquillement d'aller bien, de faire les choses bien, pour te proposer du contenu où je suis en forme, sinon ça sert à rien. Ouais, je te cache pas, ça fait 7 mois que je me retiens de faire cette vidéo. Il y a un frérot là, il s'appelle Gabriel Maximo, sur YouTube. Commence à faire chier le mec, d'accord? Commence à faire chier. Ça fait 7 mois que dans toutes mes vidéos, il commente son commentaire. Bonjour, je partage avec vous des gants que j'utilise personnellement. Ils sont disponibles sur Amazon. Mec, t'es chiant. Après, tu connais derrière, il met son lien affilié, voilà, où il touche une com dessus. Mais mec. Déjà, ton commentaire, il est bloqué. Tu dois le savoir que ça fait chier de voir ça, en fait. Dans ces commentaires, les commentaires servent à parler, dialoguer, s'insulter, mais pas mettre des liens affiliés. Parce qu'en fait, il y a une option sur YouTube où tous ces commentaires à lui, tu peux les bloquer. Ça veut dire que lui, il commente, mais il ne sait pas. Donc, Gabriel Maximo, vu que tu commentes toutes mes vidéos, j'espère que tu verras cette vidéo. Arrête de commenter, s'il te plaît, sinon, tu auras le droit à une vidéo de... En fait, le net, ça ne me va pas, je retire. Mais sinon, je profite de cette intervention pour parler un peu de gants en musculation dans cette vidéo. Vu que notre ami Gabriel Maximo a trouvé des gants géniaux et qui veut partager la bonne nouvelle avec son lien affilié, je vais te parler des gants. Est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'il faut les prendre? Est-ce que c'est de la merde? On va parler de gants en musculation. Je sais qu'en musculation, beaucoup de gens disent que les gants... C'est la merde, d'accord? Ils disent que les gants, c'est pour les fragiles. Les gants, faut pas les prendre. Les gants, ceci, les gants, cela. Moi, personnellement, ça fait très longtemps en musculation que j'ai travaillé avec des gants. J'ai commencé avec des gants et ça fait peut-être 2 ans que j'utilise pas de gants. Ça veut dire que sur 7 ans de muscu en salle, ça fait 2 ans que j'utilise pas de gants. Tout simplement que mes gants se sont déchirés avec le temps et que j'ai la flemme d'en racheter. Voilà. C'est pour ça que je mets plus de gants. Mais sinon, les gants, c'est le feu. Je kiffe les gants en musculation. J'aime bien. Bon, en fait, si tu veux, moi, les gants que j'avais, c'était des gants Warrior Gear. Je sais que là, si je les cherche, je vais pas les trouver. D'accord? C'est pour ça que je t'en parle directement. En fait, c'était des gants 2 en 1. Parce que c'était des gants avec des bonnes protections ici, tu vois. Et un espèce de serre-poignée. Donc, c'était à la fois des gants, mais aussi un truc qui protège les poignets. C'était super bien. Franchement, j'étais aux anges avec ça. Et quand tu t'entraînes à main nue, bah t'as des traces ici. Je sais pas si ça se voit bien, mais t'as des traces ici. Et ça, c'est chiant. Eh, je te jure, ça fait une heure. Une heure, j'ai dit. J'étais obligé de les chercher. J'en ai trouvé une seule. Mais c'est suffisant. Regarde comment elles sont. Tu vois, il y a une protection là. J'ai même oublié celle-là. Il y en a une là et ici, tu vois. Ça, c'est trop bien. Tes mains, elles sont neuves après ça. Et là, si tu vois... Ici, là, c'est une bande qui serre bien le poignet. Et j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Donc, si tu veux des gants, je sais que Warrior Gear ont un site. Je t'invite à aller chez eux. Évidemment, je n'ai pas de lien affilié. Je n'ai pas de code promo. J'ai rien du tout. Je ne toucherai à rien si tu achètes un truc chez eux. Mais si tu achètes, va sur leur Insta. Dis, j'ai acheté grâce à Dame Jordan. Voilà, tu fais les choses bien. Mais en vrai de vrai, c'est des gants qui m'ont mis bien. Et j'aime bien ces gants-là. Donc, s'il y en a qui pensent que c'est pour les fragiles, ben, tant mieux pour vous. Mais moi, fragile ou pas, je trouve que avec des gants, j'ai fait mon taf en musculation. J'ai fait mon taf clairement. Ok? Parce que sur certaines charges, mon poignet était bien soutenu et j'avais pas mal aux mains à cause de la barre. Quand je prenais des haltères lourds ou quand je faisais du rowing, tu vois, des exercices qui te font mal aux mains, tu vois, ben, j'avais pas mal et j'étais bien. Donc, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé et j'osais plus aller dans le lourd, d'accord? J'osais plus me faire mal grâce aux gants. Peut-être que c'est psychologique, d'accord?
Mais avec ces gants, j'ai bien évolué quand même. Si je les ai bien déchirés et tout, c'est que je les ai bien utilisés. Et encore là, je t'ai trouvé le meilleur. Mais l'autre, il me semble qu'il est ouvert à l'intérieur et tout. Non, l'autre, je l'ai abîmé, l'autre. Aujourd'hui, voilà, je me suis habitué à m'entraîner sans gants, mais je pense que j'en reprends, non, d'ailleurs. Je pense que j'en reprends, comme ça, on sera fixé. Je m'entraîne avec des gants. Je serai peut-être le seul avec des gants, mais je m'en fous. Moi, je m'en fous. Au moins, mon physique, il est là. J'ai bossé pour. Et qu'on me traite de fragile ou pas, je m'en tape. Je viens à la salle pour pousser. Le reste, je m'en fous. Et s'entraîner sans gants, bah, comme je t'ai dit, hein, ce qui est chiant, c'est que t'as des croûtes ici et t'as les mains qui piquent, tu vois. Et quand t'es un homme, avoir des mains qui piquent, tu vois, c'est pas intéressant. Il y a un moment où t'as besoin de ta main pour faire quelque chose quand t'es un homme. Et quand ça pique, c'est pas agréable, tu vois. Ça dérange. Et moi, je peux être dérangé pendant que je fais mon job, d'accord? Un job doit se faire de manière douce et qualitative. Là, tu fais un job non productif, tu vois. Donc, on va reprendre des gants et faire les choses sérieusement, c'est important. Et celui qui dérange encore plus, c'est notre ami Gabriel Maximo. Donc, ce que je vais te dire à toi, si dans une vidéo, tu vois notre ami Gabriel Maximo vendre ses gants Amazon qui sont nuls, dis-lui d'aller voir ma vidéo. D'accord, c'est clair, hein. Dis-lui, hey, regarde, dame, s'il parle de toi. Et dis-lui aussi d'aller sur Warrior Gear et d'acheter des gants efficaces. Pas des gants en laine qui vont te faire mal aux mains. D'accord? C'est important. Bon, sinon, Gabi, j'ai un contre toi, hein. On est ensemble, d'accord? C'est juste que tes commentaires sont bloqués, d'accord? Donc, à chaque fois que tu vas promouvoir des gants ou de la merde en lien affilié, bah, ça sera bloqué, tu pourras plus le faire. Si tu m'envoies bonjour, ça va, comment faire pour travailler en muscu ou un conseil, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, d'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Et pour revenir à ça, il y a certains commentaires où vous me dites. Je vois souvent que t'es le meilleur youtubeur muscu. Franchement, ça fait plaisir de fou. Hein. Que voilà, je fais les choses bien. Mais YouTube, il bloque automatiquement certains de vos commentaires. Et ça fait chier ça. Parce que parfois, il y a le mot youtubeur ou parfois, il y a un mot que YouTube aime pas. Comme il y a un mec, il a dit. Il m'a dit quoi? Il m'a dit c'est kiffant de voir tes vidéos, un truc comme ça. Bah, YouTube, il a dit ça respecte pas aux règles. Donc, je suis désolé si. Je réponds pas à ton commentaire, c'est que ton commentaire n'est pas vraiment sous la vidéo, d'accord? Mais si ton commentaire est sous la vidéo et que je réponds pas, c'est qu'il y a un problème. Je réponds à tout le monde et j'aide tout le monde, c'est mon point d'honneur sur cette chaîne. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, un commentaire. Il y aura des programmes encore, ne t'inquiète pas, d'accord? C'est une chaîne de sport avant tout. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait et je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.